Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. On est au Théâtre Bellecour et profitons de l'occasion pour rencontrer le nouveau directeur général de cette vénérable institution culturelle dans notre région. Carl Grondet, tu vas bien? Oui, très bien, Stéphane. Parce que c'est beau qu'on ait un théâtre de cette qualité-là à Baie-du-Fèvre, parce que Baie-du-Fèvre, on comprend que c'est pas Montréal, c'est pas Québec, mais ça reste qu'on peut avoir des beaux théâtres, puis on en a un ici. Effectivement, c'est une très belle place. Je pense que chaque personne qui vient ici devient un fan de la salle pour l'ambiance. C'est une petite salle de 335 places. Mais en même temps, on est capable d'attirer des artistes souvent en rodage, mais des artistes de renom. Fait que ça offre une belle panoplie de spectacles. Puis on va y venir tantôt, mais une belle diversité dans l'offre. Il y a de l'humoriste, il y a du chanteur, il y a des gens qui sont en émergence, il y a du théâtre, il y a plein de choses, il y a de la poésie, etc. Ouais. Mais là, je veux comprendre, Carl. Moi, je me rappelle de toi, ben, ancien étudiant des seigneuries, toi. Oui. Je t'ai pas connu là, mais on va commencer là. Toi, tu étais un gars de Gentilly à la base. Oui, oui. OK. Puis ton père, ta mère, ça faisait quoi dans la vie, ça, ces gens-là? Mes parents avaient le restaurant Coq d'Or pendant plus de 24 années. Mon père, à la fin, a transformé ça en service de traiteur, qui opère encore. Bien des gens qui écoutent la télé, votre télé, vont reconnaître mon père qui fait les buffets d'actions bénévoles puis d'âge d'or dans la région. OK. Et donc, tu es élevé, tu es un gars de public. Oui, Tes parents... Il était au front, il n'était pas caché. Là. J'ai longtemps couru dans le bar entre la table de poule et le comptoir. Fait que je suis familier avec les gens. Évidemment, la restauration, ça demande beaucoup d'heures, mais est-ce que c'est des gens qui s'impliquaient bénévolement dans différents comités? Oui. Mes parents ont été dans le carnaval puis dans les différents organismes là, du coin. Okay. Et là, Carl Grondin, au secondaire, moi, je l'imagine peut-être dans le conseil étudiant, à s'impliquer, c'est tout ça? Est-ce que tu as fait des recherches? Mais tu sais, moi, je te vois, je t'observe dans l'actualité de ce qui se passe dans la région. Je me dis souvent, bien, pour avoir donné de la formation au conseil d'élèves, souvent, on les revoit 10 ans, 15 ans plus tard dans des postes électifs. Tu t'es pas trompé. J'ai été, dès le secondaire 1, je pense, j'avais embarqué dans le conseil étudiant. Je pense qu'il y a une année que j'ai pas été, puis je sais pas si je peux me vanter de ça, mais j'ai été président du conseil étudiant en secondaire 4 et en secondaire 5. OK, ça, c'est assez étonnant. Je sais pas, ouais, c'est ça. Bien, c'est à souligner, parce que souvent, on ne votera pas pour un jeune de secondaire 4, là, c'est au secondaire 5 d'avoir le président de l'école. Ouais. Mais comment tu avais réussi ça, cet exploit-là? Ben, j'avais fait un discours enflammé. OK. J'avais promis des nouvelles activités à la sortie de fin d'année, puis ça... j'ai des bons amis qui me le rappellent encore, là, que j'avais promis mes promesses que j'avais faites à ce moment-là. Tu les avais-tu accomplies, tes promesses? Bien, il y en avait une qu'on n'avait pas pu... j'avais parlé d'amener les gens au jeu de guerre, là, le paintball. Okay. Puis ça, ça n'avait pas fonctionné. Le directeur m'avait dit, tu peux oublier ça. C'était qui, le directeur, à cette époque-là? C'était M. Jean-Claude Boutin, à l'époque. OK, Jean-Claude. Qui était un monsieur assez sévère, puis, tu sais... Il était presque épeurant. Là, il avait une stature, puis il imposait le respect, mettons. Mais si je prends... Je te demanderai pas de te refaire ton discours, mais comme je te connais, est-ce que je présume avec raison que tu l'avais préparé? Tu es arrivé préparé Oui. OK. Tu t'es fait des affiches, tu avais un programme. Puis à l'époque, on avait l'animateur de vie étudiante, là, qui était à l'époque, qui était Louis Groux. OK. Qui a été juste un court séjour, je pense qu'il était peut-être un 4 ans, si je ne me trompe pas, 3 ou 4 ans. Puis là, je l'allais le voir parce que c'était la première fois, puis il m'avait aidé un peu, puis on avait préparé ça ensemble. Donc, tu as fait campagne. Et là, fini secondaire, on fait quoi? On va au cégep? On va à l'université? Oui, je suis allé au cégep. J'étais au début en architecture. OK. Et puis, j'étais 2 ans en architecture, puis 3 ans en arts plastiques. OK. Puis, tu vas-tu aller à l'université? Non. Au cours de quand j'ai fait mon parcours en arts plastiques, j'ai commencé à faire des dessins pour... je faisais beaucoup de dessins à l'époque. Puis, j'ai commencé à faire des dessins pour faire des T-shirts. OK. Puis là, ça m'est venu à travailler avec un imprimeur. Puis, finalement, j'ai appris le métier. Puis, je me suis parti en affaires là-dedans, en produits promotionnels. Il faut, pour les plus vieux qui ont connu mon grand-père,
Mon grand-père, à la retraite, il était représentant comme ça pour une compagnie de stylos puis de toutes sortes de gadgets. Fait que j'ai un peu poursuivi ça sans... T'as pas nécessairement ça le but au début, là, mais tu sais, j'ai commencé à faire des t-shirts, puis au début des années 2000, je suis allé travailler pour Magie, Collection Magie, qui était oui, des vêtements pour enfants, c'est qui était ça. À Sainte-Monique. Grand-Saint-Esprit, ben oui. À Grand-Saint-Esprit, puis il y avait un atelier de sérigraphie là-bas. Fait que c'est là que moi, j'avais un peu appris avec le fournisseur que j'avais, mais à ce moment-là, j'ai travaillé pour eux, j'imprimais les vêtements pour eux. Puis à un moment donné, 2-3 ans après, ils ont décidé de se départir du département. Fait que moi, j'ai acheté des équipements que j'ai rapportés, j'ai installé à Gentilly, puis j'ai opéré mon entreprise pendant 20 ans. Puis y avait-tu un aspect, bien, t'es étudiant en art plastique, t'es un créatif, toi? Oui, oui. OK. Mais tu comme aujourd'hui, là, est-ce que c'est encore en toi, ça, de vouloir être un créateur? Oui, mais en même temps, tu sais, comment je dirais, je suis toujours quelqu'un de très... quand je vois, mettons, des vêtements ou des choses comme ça, parce que ça a été la grosse partie de mon travail, c'était dans le vêtement, je suis bien attentif au mode de production, au mode de création. Tu sais, je vais regarder un T-shirt, moi, puis tu sais, je sais comment il est imprimé, par quelle couleur ils ont commencé, tu sais, des choses comme ça. Fait qu'on voit des fois des effets, puis de plus en plus, on peut le dire, là, les vêtements, c'est un peu plus stylisé que ça a déjà été. Là, fait mm-hmm. que, et là, bon, arrive l'implication étudiante au secondaire. Est-ce que tu vas t'impliquer au cégep? Pas du tout. Pas du non. tout. Puis, comme citoyen, parce que moi, je t'ai vu, tu sais, j'ai été journaliste au Courrier Sud, entre mm-hmm. autres. Je participe à différentes activités, puis souvent, bien, je voyais Carl Grondin assister au conseil municipal de Bécancour, s'impliquer au parc de la Rivière-Gentilly. Puis ça, on va en parler en détail. Mais sais-tu vite? Jeune adulte, que tu vas être un citoyen, plus? Bien, plus impliqué, voyez-vous, en 2009, je me suis présenté aux élections municipales comme conseiller pour le secteur Gentilly. Okay. J'ai été conseiller de 2009 à 2013. Avant ça, j'avais milité un petit peu à l'époque, à partir de 2003 pour la DQ. Okay. Mais tu sais... Pas une grosse chose. Puis j'avais accompagné à l'époque Lise Blanchette, qui s'était présentée, si je ne me trompe pas, en 2003. Okay. Elle avait été candidate pour la DQ dans Nicolet Yamaska. Et là, à l'époque, c'était Mario Dumont, encore, oui. qui était à l'Action oui. démocratique du Québec, qui avait créé avec Jean Allaire. Oui. On est dans le post-Meach. Là. Oui. Tu suivais-tu déjà l'actualité? J'aimais ça, okay. suivre ça. J'avais vécu le référendum, le 95. C'est ça. Fait que, tu sais, je m'étais pas nécessairement impliqué. Mais quand est arrivé Mario Dumont, j'ai commencé à suivre un peu plus ça. Puis, ben, j'étais ami avec Lise. Fait qu'elle, quand elle a décidé de se présenter comme députée, ben, elle a quitté son poste de conseillère. Et puis, elle s'est présentée. Fait qu'on avait fait la campagne à 3-4 personnes dans ce temps-là. Tu sais, on n'était pas ben équipés, là. Et puis pas trop de moyens, fait que j'avais goûté à ça. Puis après ça, j'ai comme resté un peu le représentant officiel du comté, parce que j'avais été son agent officiel pendant la campagne. Fait que ça m'a fait que je me suis rendu jusqu'en 2007, où ce que là, il est arrivé Éric Dorion comme candidat. Puis là, ben j'avais comme aidé, là, puis il avait été élu justement mm-hmm. en 2007. Pendant un an et demi jusqu'à... Oui, parce que pour les gens, si on se rappelle, c'était un gouvernement minoritaire libéral. Oui. Donc, M. Charest, l'expression qu'il avait, il voulait avoir les deux mains sur le volant, fait qu'il a comme redéclenché des élections quelques mois après. Et là, il est redevenu majoritaire. Ça avait-tu été, je pense que c'était le Parti québécois qui avait gagné cette fois-là. C'était-tu M. Hossan qui... c'était pas un libéral qui avait gagné? Non. Oui, en 2008, c'est Jean-Martin qui avait remporté. Et là, le passage comme conseiller municipal. C'est après ça que là, j'ai décidé de me présenter aux élections municipales comme conseiller du secteur Gentilly. Et puis j'ai été élu, de 2009 à 2013. C'est pas, là, je vais te dire,
Je vais dire ce que je pense. Des fois, c'est pas très sexy, là, s'impliquer au niveau municipal, tu sais, de non. Gestion de bout de route, d'égout, tout ça. Là, j'exagère un petit peu, mais un jeune homme comme tu étais, entrepreneur, un gars de projet, puis, pourquoi aller conseiller municipal? Ben, c'était le goût de m'impliquer. J'avais été aussi membre de certains conseils d'administration, dont la Caisse populaire. Puis à ce moment-là, ben, j'ai décidé de faire ça. C'était une dame qui était là, puis Mme Labbé, puis elle était très, très bien aimée. Là. C'était pas une histoire de contestation ou quoi que ce soit. J'ai décidé de m'impliquer, puis les gens m'ont accordé leur confiance. Fait que j'ai bien aimé ça. À l'époque, c'était Maurice Richard qui était maire. Et puis, j'étais le seul sur le conseil qui était actif au travail, on va dire. Là. C'était tous des retraités. C'était tous, oui, c'est ça. Ça t'a-tu questionné à un moment donné? Puis, tu sais, regardons maintenant, là, tu sais, que, ben là, il y a eu beaucoup de changements, puis on va y venir. On va parler, entre autres, de la composition du conseil municipal de la ville de Bécancourt, mais ça a pris du temps avant qu'on ait des jeunes, puis des jeunes, on parle effectivement de 55 ans et moins. Est-ce qu'on peut être encore jeune à 55 ans? Mais ça, dans certains milieux, ça a pris du temps avant qu'il y ait des gens qui sont toujours actifs, soit sur des conseils municipaux. Bien, comme tu disais, c'est pas nécessairement de quoi qui peut être attrayant, surtout... Ouais. Financièrement, tu sais, pour quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un qui laisse sa job nécessairement pour dire « je m'en vais ». Outre le maire, ouais, c'est ça. Et ça, on parle des maires de Nicolet Bécancourt, mais dans nos autres municipalités, on se met pas riche en étant conseiller puis maire. Puis même à Bécancourt et à Nicolet aussi. À Bécancourt, un conseiller, c'est quand même pas pire. OK. Mais à l'époque, c'est ça, c'était plus le désir de m'impliquer puis de comprendre comment ça fonctionne puis tout ça. Puis j'ai fait mon terme, puis en 2013, Maurice avait quitté en 2012. Il y avait eu l'élection de Mme Desilets, Gaétane. Fait que je l'avais secondée, puis elle avait décidé de ne pas se représenter. Fait qu'à ce moment-là, j'ai brigué la mairie pour une première fois en 2013. Puis j'étais contre Jean-Guy Dubois. Puis c'est un peu ça qui m'a fait le plus de peine après. C'est que je me disais, moi, je suis là, à l'époque, j'avais 40 ans, puis là, tout le monde me disait, bien, t'es jeune, tu sais, pour être maire, puis t'as jamais été maire avant ça, puis tout ça. Fait que je me disais, quel signal que ça envoie aux jeunes de vouloir s'impliquer s'il y en a un présentement, puis finalement, on le tasse parce qu'on veut quelqu'un d'expérience. Ça, c'est un peu ça qui m'avait le plus attristé de cette Y a-tu des... Puis tu étais dans l'action. Y a-tu des facteurs, y a-tu des choses qui favoriseraient une plus grande présence de gens plus jeunes? Dans, tu sais, exemple, les moments où on tient les réunions, la conciliation élu-famille, mettons, y a-tu des choses qui seraient des facteurs? Bien, sûrement. Nous, de la manière que ça fonctionnait, on avait... un caucus à chaque lundi après-midi. Fait que moi, comme j'étais à mon compte, je pouvais, t'sais, mon lundi était consacré seulement à ça. Fait que, t'sais, le matin, je revisais mes documents, puis t'sais, j'arrivais prêt pour la rencontre. Je sais qu'à cette heure, dans beaucoup de conseils, c'est juste par les soirs. Fait que dans ce temps-là, c'est difficile d'avoir aussi accès aux fonctionnaires de la municipalité. À l'époque, ben, on avait tous les directeurs de services qui pouvaient assister aux rencontres. Fait que, c'était facilitant. Mais toi, tu avais l'avantage d'être entrepreneur, d'être maître de ton horaire, ce qui n'est pas nécessairement de cas de tout le monde entre 35, 45, 50, 20, 22 aussi. Est-ce qu'il pourrait avoir des incitatifs comme quelqu'un qui est pompier volontaire, ben, son employeur, il le dégage un certain. Fait qu'est-ce que quelqu'un qui travaille à temps plein pourrait être dégagé une journée par semaine parce qu'il s'implique? Puis pourquoi on parle de ça? Puis il y a des gens qui disent, ben là, pourquoi? Là, ça peut être des personnes âgées. On n'a rien contre les personnes âgées, c'est pas ça du tout. Mais si on va avoir une représentativité, exemple, à l'Assemblée nationale, on aurait 125 hommes, ça serait pas fameux. Qu'il y ait des hommes, qu'il y ait des femmes, qu'il y ait des gens plus jeunes, des gens plus âgés, des gens de différentes origines, différents métiers, c'est une bonne chose en démocratie parce qu'il reste que, oui, on est là pour représenter, mais comme élu, tu es un gars de l'âge que tu as là, un homme, on a notre passé, fait qu'il y a des affaires qu'on va être plus intéressé, c'est normal aussi. Avec les idées qui viennent avec les personnalités de chacun. Mais parlant d'idées, tu me parles, ben moi, je voulais m'impliquer. Mais tu sais, quand on s'implique, s'impliquer, OK, mais c'est quoi les enjeux, toi? Pourquoi tu te fais de l'action politique? C'était quoi tes motivations profondes?
Bien, c'était d'améliorer le sort des gens, je pense. Okay. Pour que ça soit bien géré aussi. Oui, oui. Puis tu sais, on ne se fera pas de cachette. Bécancour, c'est une assez grosse ville avec un budget impressionnant. Là, mm-hmm. Puis il y a les moyens de faire des choses. Fait que c'est sûr que c'est plus facile. T'sais, dans mon autre carrière que j'ai faite auprès du député Donald Martel, bien là, j'ai côtoyé, j'ai rencontré tous les conseils municipaux de chaque petite municipalité du comté. Puis c'est là que quand tu compares ça, là, j'ai vu que des fois, il y a un, deux employés municipaux, trois, et les gens font toutes les tâches là-dessus, là, autant la direction que d'émettre des permis de construction, puis des choses. Fait que, c'est difficile. Ils passent le balai dans l'entrée des fois. C'est ça, puis ben, oui, oui. À la fin de l'année, ils font leur budget, puis il reste 15-20 000 piastres à dire qu'est-ce qu'on fait avec ça cette année. T'sais. Fait que c'est difficile, tandis que à Bécancour, comme je disais, il y avait des moyens. Fait que là, tu vas prolonger ton action. Oui, désir d'être élu. Bon, on ne gagne pas la campagne. On devient attaché politique. Dans le fond, tu es comme d'un continuum. Tu es impliqué à la DQ. Donald, à ce moment-là, il est-tu élu à DQ ou CAC? CAC. CAC. Parce qu'il y a une transformation. La DQ a comme été fusionnée au mouvement que François Legault avait créé, qui s'appelait la Coalition Avenir Québec. Tu as observé ça. Puis tu étais attaché politique aussi, donc un regard sur les programmes gouvernementaux, mm-hmm. comment ça se traduit? Y a-tu des observations que tu as faites, des défauts de système? Là, j'oriente un peu ma question, mais tu parlais de petite municipalité. Est-ce que le regard que tu as posé là-dessus, est-ce que nos programmes gouvernementaux, des fois, sont mal adaptés à une réalité rurale, par exemple? Oui, c'est sûr que oui, il y a sûrement des améliorations. Moi, ce que j'ai aimé de cette expérience-là, c'est que j'ai goûté à 4 ans d'opposition. Ouais. Puis après ça, le pouvoir. Fait que j'ai vu les différences aussi, tu sais, qu'est-ce que ça peut... c'est sûr que c'est pas la même mécanique. Puis tu sais, souvent je le dis, j'avais des bonnes relations. Donald avait de très bonnes relations avec, à l'époque, les ministres libéraux, tu sais. Fait qu'on a réussi à avoir accès souvent à des ministres. J'ai rencontré plusieurs ministres libéraux à l'époque pour des dossiers. Puis on avait quand même une bonne collaboration, tu sais, je peux dire. Mais ensuite, quand tu tombes au pouvoir, bien là, c'est les ministres qui font partie de ton équipe. Fait que c'est sûr que c'est plus... on voit que c'est plus facile de faire cheminer les dossiers, c'est sûr, dans l'appareil. Là. Puis l'attaché politique, le rôle, c'est un facilitateur. Parce que tu te dis, bon, tu sais, on présente un projet, mais des fois, il y a peut-être des explications, des fois, il y a des refus. Fait que, tu sais, on veut savoir pourquoi. Fait que toi, là-dedans, tu es comme un relayeur. Tu peux aider et tu as accès au cabinet, donc tu peux avoir des réponses, tout ça. Donc, puis là, moi, il y a le gars en forme aussi, là. Moi, je te vois marcher en Gaspésie, je te vois marcher dans les Appalaches, je te vois marcher partout. Tu es un gars qui est en très bonne condition physique. Ça fait-tu partie... Ben là, tu dis... Moi, cette année. Ben moi... La dernière fois qu'on a fait une entrevue ensemble, j'étais sur toute une lancée, mais il faut dire qu'à ce moment-là, on était en pandémie, fait que c'était plus facile un peu. Ben là, il dit, bon, en bois est bonne, mais si tu te compares à bois, là, c'est un autre monde. Mais ce que je veux dire, c'est l'activité physique, ça fait partie de ce que t'es. Ça fait partie de ton action citoyenne aussi, parce que moi, je vois un lien entre ça et l'implication que tu as eue au Parc de la Rivière-Gentilly. Oui, me trompes-tu? Oui, effectivement, je suis un tripeux de randonnée pédestre. Fait que j'ai commencé mon implication au Parc quand j'étais conseiller municipal. Mm-hmm. À un moment donné, ils nous distribuent, dans le fond, les dossiers. Tous les dossiers, bon, il y en a un peut-être, c'est loisirs, l'autre, c'est entrepreneuriat, bon, à l'époque, ils nous avaient soumis des comités, tout ça, à siéger. Puis moi, j'avais demandé est-ce que je pourrais aller au parc, parce que le parc d'Arrivette, au début, c'était une petite place qui était tenue à bout de bras par un employé permanent, deux, trois saisonniers, tu sais, puis... on a embarqué là-dessus, tu sais, je l'ai dit il n'y a pas tellement longtemps, on avait à peu près 100 000 de revenus, tu sais, dont 40-quelques 000 de subventions de la municipalité, des deux municipalités. Mm-hmm. Fait qu'on avait peut-être 50 000 de revenus autonomes. Puis 10 ans après, ben, on a franchi le million là, de revenus. Tu sais, fait que il y a eu toute une explosion aussi de le faire connaître, de l'appropriation des gens du parc, parce que, tu sais, nous autres, on disait tout à l'heure, c'est notre parc, mais, tu sais, on voulait que ça devienne votre parc. Fait que pour nous, ça a été...
On a réussi à en rendre un appareil, je crois, régional. Bien, c'est devenu un incontournable du tourisme au centre, au centre du Québec. On est un des endroits au Québec où le plus de séjours en camping sauvage. Uh-huh. Les gens apprécient beaucoup nos terrains en bord de rivière. Et pour y être allé quelques fois, tu es vraiment dans le bois, mais tu es à une heure de Québec. Oui, ben oui. Tu es à une heure et demie de Montréal, tu es à 35 minutes de Trois-Rivières. Tu te dépayses en faisant pas beaucoup de voitures. Oui, oui. Puis donc, en même temps, il y a des services aussi quand même près. Puis on essaie de t'sais, on réussit, nous, à capter les gens plus qu'une journée, souvent. Il y en a qui viennent passer juste une journée, faire de la randonnée ou du vélo de montagne. Mais il y en a plusieurs qui séjournent plusieurs jours. Je viens de fleurir l'activité du vélo de montagne. On a vraiment tiré épingle du jeu dans ce domaine-là. On s'est démarqué il y a une couple d'années avec l'arrivée. On avait un bénévole qui a travaillé très fort pour convertir d'anciens sentiers en vélo de montagne. Puis ça a créé vraiment un engouement pour ce sport-là chez nous. C'est une tendance lourde dans le plein air, les amateurs de vélo de montagne. Là. Oui. Puis on a les fat bikes aussi. Là. J'avais essayé ça l'hiver, c'est vraiment... Puis quelqu'un qui n'est pas un sportif émérite, ça reste que c'est accessible. Là. Oui, mais c'est ça, nos sentiers, c'est vraiment... Il y a différents niveaux. Tu sais, les gens, des fois, ils font un saut parce qu'il n'y a aucune montagne là, par chez nous, sauf que la rivière est comme une petite faille, c'est un canyon. Engouffré. Ça fait ça. Fait qu'il y a plusieurs... Il y a quand même des fois entre 25 et 30 mètres de dénivelé quand même, puis à plusieurs reprises. Fait que, tu sais, on exploite vraiment tous ces coteaux-là qu'on a pour faire pédaler jamais, mais en même temps, ça reste niveau familial et intermédiaire. Et là, bon, le gars de politique municipale, le gars de politique québécoise, le gars de plein air, et là, on se rend compte, on est au Théâtre Bellecour, un lieu de diffusion culturelle. Qu'est-ce qui fait que tu es devenu directeur général? Pourquoi tu as accepté ce défi-là? Bien, en 2021, j'ai quitté mon emploi auprès de Donald comme attaché politique pour me réessayer la mairie de Bécancour. Ça n'a pas fonctionné, fait que j'étais en recherche pour un autre emploi. Puis mon ancien collègue au bureau, Michel Gagnon, il est président ici de la corporation. Du conseil d'administration. Fait que au printemps, il m'a demandé de venir prêter main forte parce qu'il y a eu un... Oui, il y a eu un malheur, un très grand malheur. Dans le fond, il y avait un directeur adjoint qui est décédé. Exactement. Donc, on s'est retrouvé avec... avec la directrice qui était là à ce moment-là. Puis elle a eu un congé. Un congé suite à tout ça. Puis elle a décidé finalement de ne pas revenir. Fait que moi et puis Mario Courchaine qui était le fondateur. Oui. Mais qui tantôt, j'étais dans les bureaux, il était encore là. Ben oui, c'est ça. Il n'y a plus un emploi ici, mais... Bien là, lui aussi est venu prêter main forte en même temps que moi en avril. Parce que là, il y avait une question de survie, parce que là, on avait des engagements. On a finalement le droit de faire des spectacles sans contrainte avec la COVID. Si on se rappelle à ce moment-là, début avril, bien là, on avait une programmation, il restait une couple de spectacles à faire, puis là, on redevenait dans des conditions plus normales. Fait que une chance que Mario était là parce que lui, ça faisait 2-3 ans qu'il avait pris sa retraite, mais quand même, il connaissait tout le fonctionnement ici. Ben oui, c'est lui. Il connaissait, comment dire, il connaissait Iracoin. Ouais. Il connaissait Iracoin. Fait que t'as accepté ce défi-là, t'as-tu hésité parce que t'as un frère qui est chansonnier, entre autres. Mais tu sais, moi, je te connaissais pas comme un gars, un artiste, quoi que tu me dis que t'as étudié en arts plastiques. À première vue, théâtre, tu disais-tu, t'avais-tu des hésitations? Bien, ce qui m'a fait, dans le fond, quand Michel m'a demandé de prêter main forte, j'ai dit, c'était plus administratif, le soutien administratif, puis s'occuper de la billetterie, évidemment. Ce en quoi tu avais bien de l'expérience. C'est ça, quand même. Tu gérais une entreprise, tu étais conseiller municipal, tu étais attaché politique, tu étais administrateur, président du Parc de la Rivière-Gentilly. C'est ça. Je connaissais... État financier, c'est ça. C'est quoi, là? C'est ça. Fait que, tu sais, je suis venu, puis je connaissais parce que j'étais déjà venu voir des spectacles. Puis Michel m'en parlait souvent. Fait que, tu sais, je connaissais un peu les rouages du théâtre, puis aussi l'attachement de la communauté face à ce monument-là.
Fait que, tu sais, j'ai pas hésité. Bon, j'habite à Gentilly, ça prend 45 minutes, c'est pas si long, là, dans le fond. Fait que j'ai décidé de venir prêter main forte, puis, ben, tu sais, là, on a connu le redépart, si on peut dire, le départ des spectacles. Fait que, tu sais, là, on assiste au spectacle, on voit arriver le monde, puis tout ça. Puis ici, il y a vraiment une implication bénévole. Des gens qui font l'accueil lors du spectacle. C'est ça, le bar, la billetterie, c'est tous des gens bénévoles qui sont super impliqués. Puis moi, ben, venant de Gentilly, tu sais, j'ai été souvent impliqué dans le carnaval. Fait que je revoyais un peu cet esprit-là. Puis, tu sais, parce qu'il est enraciné, le théâtre. Ah oui. Il n'est pas étranger là, à la communauté. Puis la vision que tu as, parce que je te connais, gars de projet, gars ambitieux. C'est sûr que tu arrives, tu ne veux pas tout défaire, puis non. Défaisons pas ce qui va bien, c'est mais ça, t'as-tu exactement. Une vision, t'as-tu des choses que tu voudrais augmenter, améliorer, additionner à la mission du théâtre? Bien, c'est sûr, là, on est en train d'élaborer ça aussi tranquillement, améliorer l'offre. Là, j'ai fait des petits changements comme au bar, j'aimerais ça peut-être créer une espèce de petite ambiance un peu avant les spectacles pour que les gens arrivent un peu plus tôt. Mm-hmm. Venir, un peu bistrot, un peu. C'est ça, on peut écouter de la musique, un peu tranquille, on prend un verre. C'est ça. Tu sais, relaxer de leur semaine, parce qu'on a des spectacles des fois en pleine semaine, des fois on a le vendredi ou le samedi. Fait qu'essayer d'amener un esprit, puis c'est sûr, faire rayonner le théâtre. Moi, comme je viens plus de l'Est, c'est peut-être moins fréquent que les gens venaient ici. Fait que j'essaie de faire connaître ça dans mon bout. Puis en même temps, tu sais, je dis. Aller à Trois-Rivières ou à Victo, puis se trouver un stationnement pour aller voir des spectacles là-bas, c'est pas plus long que venir ici. T'sais. En effet, ça c'est vrai. Puis on a une qualité de salle le son comparable à ce qu'il y a de mieux à Trois-Rivières et à Victo. Ouais. Je veux qu'il y a peut-être moins de place, mais en même temps, ça. Puis c'est le fun, cette formule-là, c'est intime. La relation avec l'artiste à ce stade des spectacles ici. Oui. Il y a une dynamique qui est plus conviviale. Oui. Il y a une chimie aussi ici. Je pense qu'il n'est pas particulier à bien des endroits, c'est que souvent, la journée d'un spectacle, l'artiste arrive dans l'après-midi, souvent ils font une pratique, ils font les tests, puis on fait le repas ensemble. Avec l'équipe. On souvent le souper avec le technicien, l'artiste. Wow. Fait que ça crée une proximité, tu sais, puis des super belles échanges. Là, moi, j'ai soupé avec Philippe Laprise, j'ai soupé avec Fred Pellerin il n'y a pas longtemps. Ah. Puis puis d'ailleurs, Fred Pellerin, c'est particulier parce que ça fait plusieurs fois qu'il vient ici, puis il y a comme une belle relation. Là. Bien, le gars de petite place, entre guillemets, la dimension rurale, d'être en dehors des grands centres. Mais en tout cas, Carl Grondin, moi, je vais t'observer très attentivement. On va suivre ça, ce qui va s'en venir du Théâtre Bécaud, puis je suis bien content que tu occupes cet emploi-là, moi. Bien, c'est gentil, puis j'invite les gens à consulter notre site web ou notre page Facebook pour voir la programmation. Vous allez des fois être surpris des artistes qu'on attire ici. Bien, super. Mais merci, Carl. Merci.